Salut à tous, bienvenue sur Créer sa propre musique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'un peu spécial, d'un peu particulier. Certains le savent déjà parmi vous, mais j'ai rappé pendant environ une dizaine d'années. J'ai commencé le beatmaking autour de 2002. Pas longtemps après, à force de fréquenter des rappeurs, d'avoir des potes rappeurs, je me suis laissé prendre moi-même au jeu de rapper. Et ce petit jeu, il a duré plus ou moins 10 ans. Donc j'ai commencé par le beatmaking. J'ai eu une période où j'ai rappé, je faisais toujours du beatmaking en même temps. D'ailleurs, je rappais parfois sur mes prods, forcément. Et puis ensuite, j'ai plus envie de rapper, tout simplement. Et j'ai laissé ça de côté, je suis retourné au beatmaking. Et voilà. Donc, parfois au début de mes vidéos YouTube, ça m'arrive de glisser des petits extraits de ces différents morceaux que j'ai enregistrés à l'époque. Ça a attisé un peu la curiosité de certains d'entre vous qui me demandaient, voilà, où est-ce qu'ils pouvaient se procurer ces morceaux-là. Faut savoir qu'en fait, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, créer sa propre musique, j'ai tout supprimé du net. Tous les morceaux où je rappais, j'avais envie en fait de tourner la page là-dessus. Avec le recul, c'était un peu une connerie d'ailleurs, parce qu'il y a des morceaux que j'aimais beaucoup. Et donc voilà, j'ai décidé de créer un petit best-of qui regroupe une vingtaine de morceaux. Alors forcément, il n'y a pas tout, hein. Ça représente même pas 10% des projets que j'ai sortis à l'époque, mais pour ceux qui veulent découvrir un peu, j'ai essayé de mettre des morceaux un peu emblématiques de mes différents projets. C'est pas un album parce qu'il y a des morceaux là-dessus qui sont séparés par plusieurs années, donc c'est pas la même mentale, la même voix, etc. Mais si vous avez la curiosité de voir comment je rappais, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez écouter ça gratuitement. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est des morceaux qui ont été enregistrés entre 2003 et 2012, c'est ce que j'ai écrit sur la pochette, mais en réalité c'est plutôt 2003-2010, j'ai vu un peu large. Donc c'est assez ancien maintenant, mais voilà, c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir ce que je faisais avant, c'est l'occasion, c'est gratuit, c'est dans la description. C'est quelque chose dont je parle pas souvent, ça m'arrive de glisser un mot là-dessus sur cette chaîne YouTube, mais comme on est vraiment axé beatmaking, j'aborde pas trop mon passé de rappeur, si je peux dire comme ça. C'est l'occasion aussi pour moi de tourner la page définitivement sur ce chapitre et de refaire circuler un peu ces vieux morceaux. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Peace.